Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le Forum national du PDCI RDA a organisé un meeting ce samedi 2 mars 2019 à la cité Marina de Benjaville pour rendre un vibrant hommage au président Henri Conor Bédié, digne héritier de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le délégué départemental de Benjaville, M. Beugré Djoman, a exprimé son infinie gratitude au comité d'organisation et à toutes les bonnes volontés qui ont permis la réussite de cette manifestation. Issa Koné, président du Forum national du PDCI RDA, initiateur de la cérémonie, a demandé dans son intervention aux militants de se mettre en ordre de bataille pour les échéances de 2020. Il a aussi adressé ses remerciements au secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le ministre Maurice Kakou-Dikawé, communément appelé Capitaine Courage, pour son indéfectible don de soi. Pour clore son propos, il a exprimé l'adhésion de toute la jeunesse à la plateforme initiée par le président Henri Conor Bédié. Pour cette jeunesse, il n'y a pas deux PDCI. Le président Henri Conor Bédié reste le seul leader du PDCI RDA et l'héritier légitime du président Félix Houphouët-Boigny. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le ministre Maurice Kakou-Dikawé, représentant le président Henri Conor Bédié, a rappelé les vertus qui caractérisent le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Tu as toujours couché ce Bédié. Et tu ne t'attends pas à Benjaville, tu apportes quoi à Bédié? Rien. Ça a été dit par Paul dans Corinthiens 2. Je ne peux avoir tout ce que je veux. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, vous avez beau être délégué, ancien maire, ancien proviseur, ancien adjoint, secrétaire de section, si vous n'avez pas l'amour, vous ne servez à rien. Parce que la réconciliation, c'est l'amour. Le PDCI, c'est un parti de tolérance. Le PDCI, c'est un parti de dialogue. Le PDCI, c'est le parti de paix. Au cours du même meeting, il a également évoqué la mission de rassembleur que s'est assigné le président Aimé Henri Conor Bédié dans cet élément. En 2010, deuxième tour, quand Bédié appelait le peuple du PDCI pour soutenir Alassane Ouattara, il n'était pas ivoiritaire. En 2015, quand Bédié sacrifiait les ambitions de tous les cadres du PDCI pour dire asseyez-vous, pour que Ouattara soit candidat unique du RADP, Bédié n'était pas ivoiritaire. C'est aujourd'hui que Bédié est ivoiritaire. Donc quand ça vous arrange, Bédié est bon. Quand Bédié veut dire la vérité, il est ivoiritaire. Bédié, il n'y a pas quelqu'un qui aime plus la Côte d'Ivoire que Henri Conor Bédié. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines éditions sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.